Le pôle gare de Cergy-Préfecture se transforme pour offrir un pôle d'échange performant à ses 22 000 voyageurs quotidiens. Cette opération s'inscrit dans le projet Cœur d'agglo de Cergy-Pontoise. 3 ans de travaux pour favoriser les mobilités douces, fluidifier les circulations et améliorer le cadre de vie. Ce projet 3 en 1 prévoit la création d'une nouvelle gare routière, la rénovation de la gare ferroviaire, la reconfiguration de l'esplanade, le boulevard de l'Oise est entièrement repensé pour accueillir la future gare routière. Les circulations sont facilitées grâce à la création d'espaces dédiés à chaque mode de transport. Pistes sécurisées pour les vélos, larges trottoirs pour les piétons, zones de stationnement pour les automobiles et les taxis, nouvelles voies dédiées aux bus. L'espace public est embelli et végétalisé. Renouvellement de l'éclairage et du mobilier urbain, réfection du tunnel du boulevard de l'Oise. Le cadre d'attente des usagers est amélioré. Nouveaux abribus, modernisation de l'information voyageur, mise en accessibilité des quais. La gare SNCF est agrandie et modernisée pour améliorer la qualité de service. Le hall et ses accès sont rénovés et la gare s'ouvre sur le parvis. L'esplanade de la gare est réaménagée pour faciliter l'intermodalité. Meilleur accès à la dalle, service dédié aux cyclistes. Ces projets sont pilotés par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et SNCF Gare et Connexion. 21,8 millions d'euros sont investis pour l'aménagement des espaces publics, esplanades et gares routières. Le pôle gare de Cergy-Préfecture se transforme. Rendez-vous fin 2024.